Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Me désinscrire. Aujourd'hui, on va voir comment supprimer son compte Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com. Vous allez dans un premier temps vous connecter à votre compte Tipeee. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, vous pouvez sélectionner l'option suivante. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez dans un premier temps, si vous avez une page Tipeee, fermer celle-ci. Pour cela, rendez-vous dans votre profil et vous allez sélectionner paramètres. Puis dans la section Fermer ma page créateur, vous allez cliquer sur le bouton Fermer ma page. Ici, Tipeee va vous envoyer un mail. Pour pouvoir confirmer cette demande de suppression, rendez-vous sur votre boîte mail et vous allez sélectionner le lien cliquable. La prise en compte de la fermeture de votre page créateur a été actée. On vous indique quand même que votre page sera encore accessible jusqu'à une date précise pour vos utilisateurs. Ensuite, vous n'allez pas pouvoir fermer votre compte tout de suite puisque votre page est toujours active jusqu'à la date mentionnée par Tipeee. Donc même si vous allez dans Mon compte, que vous descendez en bas et que vous voulez effacer le compte, Tipeee vous met un message d'erreur. Il faudra bien attendre d'avoir le message de confirmation email de Tipeee comme quoi votre page a été fermée définitivement, et ensuite vous pourrez vous rendre sur Tipeee, dans votre profil sélectionner la rubrique Mon compte pour descendre en bas et enfin pouvoir effacer votre compte définitivement. Encore une fois, il faudra confirmer cette suppression définitive par mail en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé par mail, et ainsi votre compte Tipeee sera supprimé définitivement. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. Rendez-vous sur notre chaîne Me désinscrire pour tous les tutos pratiques pour vous désinscrire de tous les sites et réseaux sociaux. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker et bien sûr vous abonner. À très bientôt.